J'espère que Freyr appréciera nos efforts. Je me demande s'il mesure à quel point son royaume est tombé en déliquescence en son absence. Oui, même si ce n'est qu'une prestation de soliste, entendre à nouveau retentir le chant des sables est un privilège rare. Lorsque cette Avrufa sera libre, elles formeront un duo. Cette architecture, ce n'est pas celle des elfes noirs. Tout indique qu'une colonie abandonnée d'anciens bâtie bien avant la création du puits de lumière. Encore de la substance elfique. Nous sommes donc probablement sur la bonne voie. Ce type de substance elfique est donc sensible au son. Étrange. Je vous ai conduit ici, à Tréhousse-et-Toi. J'ai pensé que l'absence de lumière d'Alfheim était une anomalie. Je ne réalisais pas qu'elle était recouverte de substances. Oui, et pour les elfes noirs, l'anomalie est cette colonne de lumière au centre du temple. Vois comme certaines de ces surfaces sont anciennes. Bien plus que le puits de lumière ou même que notre pauvre Avgoufa. Voilà une perspective bien empathique, Mimir. Oui, si tu te baladais accroché à un divin postérieur musclé, tu chercherais toi aussi à explorer de nouvelles perspectives. Encore de la substance, mais plus dense. Trop épaisse pour ça. La pierre de nuit au sol nous sera peut-être utile. Voilà, le tour est joué. Une autre calamité sur la gauche.